Salut à toutes et à tous, c'est Brescas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 4. Et c'est pas le Fallout 4 de base, ça va être, on va s'attaquer à l'extension Far Harbor. Far Harbor, c'est une ville, ça porte le nom d'une ville cette extension. Je me suis renseigné un peu avant, c'est une ville, et puis voilà quoi. C'est tout ce que je sais un peu. Et donc, on va tout de suite activer cette mission, hein. Je pourrais pas la faire tout d'un coup. C'est loin de la maison. Alors, j'ai réglé un peu le son du jeu. Et j'ai mis la radio pas mal fort. Donc, j'espère que vous allez assez bien l'entendre. Allez, on écoute. L'agence de détective Valentine. Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. On a une nouvelle affaire. Ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Je le passe en mode répétition. Ellie Perkins, de l'agence de détective Valentine. Ok. Alors, là, apparemment, il faut aller dans l'agence de détective Valentine. Je te déporte au marque, voilà. Pour une nouvelle affaire, voilà. Elle va peut-être nous expliquer plus ça en détail. Enfin, je l'espère, je vais voir quand même si j'enregistre. Ouais, c'est bon, c'est parfait. On aime quand ça fait ça et que ça bug pas. Ah merde, par contre, je vais pas être là. Quand même, les effets sonores dans le jeu sont assez flippants quand vous avez un bon casque. Ils sont assez flippants parce que tu les entends bien, tu vois. Moi, le plus souvent, je mets la radio de Diamond City sur mon Pit-Boy, tu vois. Tranquille. Et puis, ça me fait de la musique non-stop, quoi. Hein. Alors, voilà, je suis niveau 58 dans le jeu. C'est pas rien, quand même. C'est pas rien, niveau 58. Hein. Pour être niveau 58, les gars, eh ben, faut geeker. Eh ben, faut geeker. Hein. Je vais pas vous le cacher. Donc, c'est parti. On va tout de suite parler à Ellie. Je crois que c'est la coéquipière de Valentine. Voilà. C'est celle qui l'aide dans ses enquêtes, tout ça. Parce que Valentine... Contente de vous revoir. On a reçu une nouvelle affaire pendant que vous étiez absent, Nick et vous. Vous avez toujours votre chapeau de détective. Dites-moi plus. Le client est un pêcheur qui vit sur la côte en bordure du Commonwealth. Kenji Nakano. Monsieur Nakano n'a pas donné beaucoup de détails. Il a dit qu'il vous expliquerait tout sur place. Mais si vous voulez mon avis, c'est une affaire de personnes disparues. Ce type avait l'air inquiet du début à la fin. Je vais mener mon enquête. Merci, Ellie. Les Nakano vivent au nord-est, près de la côte, dans une petite maison de pêcheurs. Il a dit qu'il vous attendrait là-bas avec sa femme. Bon, d'accord, déjà... On sait pas la suite de l'histoire, peut-être que c'est un enfant disparu, un mort, je sais pas moi, un truc comme ça. Mais là, elle nous a juste dit d'aller voir des pêcheurs. Ah, pourquoi pas? Des pêcheurs, bah ouais, c'est pas mal les pêcheurs, ouais, Attendez les gars. Ah merde, je dois prendre à la porte de Diamond City. Vous avez vraiment fait preuve d'un grand héroïsme. Oh putain, j'adore. Les habitants de Diamond City, maintenant que j'ai fini le jeu, tout ça, ils me donnent un peu tout. La dernière fois, ils m'ont donné des mantas. Là, ils m'ont donné 5 munitions de 5 mm. Je m'en fous, mais c'est toujours sympathique de leur part, tu vois. Ils pensent à nous, au travail qu'on a fait, au jeu qu'on a fait, tu vois, parce que le travail... on fait pas beaucoup de travail, hein, je vais pas te le cacher. Hein. On joue surtout, hein. Enfin, c'est le principe d'un jeu. Voilà. Bon, cette affaire de pêcheur avec sa femme, d'accord. Et sûrement un enfant disparu. Ah, pourquoi pas. Bon, allez, c'est bon le chargement, là. Eh, c'est énervant, les chargements, hein. Allez-y, entrez. Non, j'entre pas. Donc,
Alors, elle est où cette petite maison? Elle est par là. J'entends des tirs au loin. Je ne sais pas ce que c'est. C'est sûrement la confrérie de l'acier qui est en train de tout exterminer. Parce que... en fait, dans le jeu normal, hein, là je vous parle du jeu de base, vous pouvez choisir... vous pouvez choisir trois types de trucs. Le réseau du rail, les miliciens, l'institut, ou soit la confrérie de l'acier. Moi, personnellement, j'ai pris la confrérie de l'acier parce que c'était les plus badass, tu vois. Voilà. Et puis, en ce moment, ils sont en train de tout péter dans le Commonwealth. C'est sûrement la maison là-bas, je sais pas ce que vous en dites. On va aller voir ça. Ah, putain, mon casque... il est assez lourd, il fait mal à la tête. J'aime pas trop. Bon, c'est loin. Oh là, elle est en dehors de la carte, la résidence de machin là. En dehors, tu vois. Oh merde. Bah, j'espère que ça a pas bugué. Comment je vais faire pour monter ce mur Voilà, par exemple, cet accent, quand vous retrouvez ça dans le Commonwealth, cet accent, c'est sûrement la confrérie de l'acier. Qui ont tué sûrement quelqu'un. Je m'en fous un peu. Je défends juste un peu leur poste. Donc, je vais prendre celle avec laquelle j'ai aussi fait le stock de balles avec. Ouais, mais je peux pas aller par là, mais... mec, je veux bien, mais je suis obligé. Je suis obligé d'aller par là. Parce que ça marque, vous ne pouvez pas aller par là. Mais je pense que quand même, on peut y aller. Sinon, ça serait pas fait comme ça. Hein. Ça serait du foutage de gueule, quoi. Ah, belle maison. Belle, très belle maison, même. Hein. Regardez. Joli! Ah, c'est sympa, ouais. Bon Dieu, répondez! Notre arme. Je sais que vous m'écoutez. Où est-elle? Où est ma fille? Kenji, je t'en supplie. Ça fait des heures que tu hurles là-dedans. Arrête! Il faut que tu te reposes. Elle est quelque part là-bas, Ray. Quelqu'un l'a enlevée. Quoi? Qui êtes-vous? Je m'excuse, mais nous n'avons pas le temps d'accueillir des visiteurs, des marchands ou qui que ce soit d'autre. Je viens de la part de l'agence de détective Valentine. Vous avez demandé de l'aide? Oh, Dieu merci. Il faut vous mettre au boulot au plus vite. Comment vous vous connaissez, Nick et vous? On a bossé ensemble sur une affaire il y a quelques années. Il cherchait un héritage quelconque, il avait besoin d'un bateau. Ça ne s'est pas très bien terminé. On s'est fait doubler par le client de Nick au moment de lui remettre la marchandise. J'ai pris une balle dans la hanche. Elle y est toujours, d'ailleurs. Mais on s'en est tiré. Et maintenant, ma fille a disparu, et je ne connais pas d'autre agence de détective dans tout le Commonwealth. Je suis là pour vous aider. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est à cause de cette foutue radio. Notre fille, Kazumi, adore réparer des choses. La radio était son dernier projet. Jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec un kidnappeur qui nous l'a prise. Elle est peut-être partie de son plein gré. Ce n'est plus une enfant, tu sais. Notre fille a 19 ans. Elle sait se débrouiller. Elle est capable de survivre seule. Je pense qu'elle est partie parce qu'elle voulait mener sa propre vie. Non, elle nous aurait dit où elle allait. Elle aurait dit quelque chose. Je sais que ma fille est en danger. Je le sens. Retrouvez-la, je vous en supplie. On demande de l'argent. Ah, ça serait bâtard. Ne vous en faites pas. Je vais pas le faire. Merci. Sa chambre est à l'étage, si vous voulez. Et si vous avez d'autres questions sur elle, n'hésitez pas. Ok, on m'a parlé à Kenji. Kenji. C'est pas un chanteur. Je crois que c'est le gitan. Oh,
pas prendre toute la merde, hein. Journal de projet, radio. Correction, radio fonctionnelle. Je vais enfin avoir des nouvelles de l'extérieur. Il me faut un nom de code. Je vais choisir... Loi d'Homme. Ça devrait faire peur aux débiles. Et si quelqu'un saisit la référence, ça voudra dire qu'il s'y connaît en électronique, lui aussi. D'accord. Ça parle. Bah, là, il y a une autre loi. Rêve. Journal de projet, rêve. J'essaie d'enregistrer ce dont je me souviens au réveil. Je fais toujours le même rêve. Je suis dans une pièce toute blanche. Des gens parlent de moi comme si j'étais pas là, ou comme s'ils m'ignoraient complètement. Et puis, il y a ce... comment dire... cette étincelle. Comme une décharge électrique dans ma nuque. Là, tout le monde se retourne et me regarde fixement. Oh, bon sang. J'espère que je vais pas le refaire encore cette nuit. Journal de projet, lampe. Ouais, une lampe toute bête. Filament plus électricité égale lumière. Des fois, je me demande si mes parents font pas exprès de casser des trucs pour m'occuper. C'est lent. Ses parents, ils cassent des trucs pour les... ils le font réparer à sa fille. L'esclavagisme, encore dans Fallout. Est-ce qu'on a bien tout vu? Je ne sais pas. Monsieur Nakano, ouais. Vous aviez des questions au sujet de ma fille? Vous pouvez m'en dire plus sur Kazumi? Le moindre détail peut faire la différence. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ma petite fille adorée. Elle ne sait pas à quel point le monde est dangereux. Je n'aurais jamais dû laisser son grand-père lui montrer comment réparer ses machines. Son grand-père? C'est lui qui lui a appris à réparer la radio? Depuis qu'elle a su marcher, oui. Mon père avait un don pour l'électronique. Kazumi a hérité de lui. Il est mort récemment. Il allait souvent dans les ruines au sud pour récupérer des pièces. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était trop vieux. Parlez-moi un peu de cette radio qu'elle réparait. Ça fait des jours que j'essaie de faire marcher cette saloperie, mais rien à faire. Je pensais qu'elle voulait juste la démonter pour pièces ou la transformer en grille-pain ou je ne sais quoi, comme elle fait d'habitude. Et quelqu'un est entré en contact avec elle et nous l'a prise. Mon Dieu, quelle espèce de psychopathe dégénéré a mis la main sur ma fille. Pourquoi votre fille est-elle partie en réalité? Votre femme a dit qu'elle était partie de son plein gré. Mais vous? Vous parlez d'enlèvement. Je sais qu'elle a été kidnappée. Kazumi est une fille intelligente. Mais elle ne sait pas que les gens peuvent être des monstres. Elle ne connaît que Rei et moi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté notre famille? Sans dire un mot. Quelqu'un l'a piégée. L'a poussée à risquer sa vie en quittant la maison. Chaque minute perdue ici met un peu plus sa vie en danger. Pas d'autres questions pour l'instant. Retrouvez la vie, détective. Bon, d'accord. Alors, si vous entendez pas assez le son du jeu, je vous invite à mettre plus fort. Voilà, tout simplement. On va parler à sa femme. Oh putain, ils se regardent méchamment. Madame Nakano, vous avez des questions au sujet de ma fille, je suppose. Vous n'avez pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille. On veut la retrouver tous les deux. Le monde extérieur est plein de dangers et elle est toute seule. Mais Kenji la considère encore comme un bébé. Il ne voit pas qu'elle est devenue une femme, libre de faire ses propres choix. C'est sûrement parce qu'il a peur. Personne ne l'a forcée à partir sans dire un mot. C'est elle qui l'a voulu. Elle ne voulait pas qu'on la suive. Mais pourquoi? Parlez-moi de la radio sur laquelle travaillait votre fille. Je me souviens que Kazumi était très intéressée par cette radio. Je me disais qu'elle essayait de contacter Diamond City ou une autre communauté en secret. Nous sommes isolés ici. Nous étions sa seule compagnie et Kenji est parfois un peu... protecteur. J'aimerais en savoir plus sur Kazumi. Ça pourrait me donner une idée sur sa destination. Ma fille est une coriace. Elle est déterminée, prudente.
Je sais qu'elle est encore en vie. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans nous dire un mot? On a peut-être... Non, peu importe. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Chaque détail a de l'importance, Madame Nakano. Dites-moi tout. Non, ce n'est rien. Je ne veux pas vous embêter, détective. C'est tout pour le moment. Ok, Qu'est-ce qu'il faut faire là? Attends. Faut l'examiner. Voilà. Journal de projet, téléviseur Radiation King. Maman a dit que ces trucs servaient à diffuser des images et du son avant la guerre. Elle a dit aussi qu'on pouvait encore trouver les ruines des studios de télévision en ville. Et évidemment, elle a fait la grimace quand je lui ai demandé si on pourrait aller les voir un jour. Je m'égare un peu. J'ai réussi à réparer les tubes à vide et l'alimentation, mais ça sert pas à grand chose sans signal à réceptionner. Je crois que je vais plutôt le démonter pour récupérer des pièces. Il faudrait aussi que j'aille voir dans l'entrepôt là-bas. Là, il y en a une autre. Journal de projet, mixeur. Les circuits sont encore bons, mais toutes les pièces mécaniques sont rongées par la rouille. Je peux peut-être... Bon, ben je vais y aller. Je reviens dans quelques jours. On avait besoin d'autre chose à ramener de la ville? Attends, tu pars tout de suite? Attends, papa, je pourrais venir avec toi? Il vaut mieux que j'y aille tout seul, Kazumi. Ne t'en fais pas. J'ai pris ta liste. Tu saurais pas reconnaître la moitié des choses qui sont dessus, papa. Je peux t'aider. C'est vrai, je serais... J'ai dit non. Je suis désolé. Tu es en sécurité ici, d'accord? Reste ici tranquillement. Fais-le pour moi. Oh, d'accord. Je sais que tu es déçu, mais j'en aurai pas pour longtemps. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Projet de Kazumi. Peut-être qu'on va savoir la réponse. Allô? Test 1, 2... Journal de projet. Lecteur d'holobande. J'ai réussi à démonter ce machin pour en faire une version plus facile à transporter. Papy disait toujours qu'il faut ouvrir un journal chaque fois qu'on commence un nouveau projet. Au cas où on voudrait le reprendre plus tard, par exemple. Donc, je vais écouter son conseil. Je devrais peut-être commencer par répertorier toutes les pièces que j'ai trouvées. Kazumi, ton père a besoin d'aide pour le bateau. J'arrive. Oh, mince, j'ai enregistré ça. Intéressant. De la capsule, on prend tout le temps la capsule. On prend. Ah, c'est peut-être ça le bateau. Quel parler là. Note du grand-père. Si jamais le grand-frère ferait la clé, la solution est ici dans le hangar à bateau. La réponse étant ici. C'est pas grave, on est des pros. Ça y est. Enfin, voilà. Je dis ça comme ça. Ah, holovente. Dernière holovente. Ah, bah voilà. Voilà, trouvé. Journal de projet. Moi. J'ai jamais vraiment réfléchi à qui j'étais. Ou ce que j'étais, mais... Bon sang, par où commencer? La radio. J'avais raison pour la porter. J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du nord. Il y a des gens là-bas. Ils disent qu'ils sont des synthétiques, des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut. Ils essaient de fonder une terre d'accueil pour les gens comme eux. Un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et se faire accepter pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains. Ça a l'air génial, mais ils ont commencé à me poser des questions. Des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Je veux dire, j'ai toujours eu l'impression d'être différente.
comme si j'étais pas à ma place ici. Et puis, il y a certains moments de mon enfance dont j'ai aucun souvenir. Il y a aussi ces rêves bizarres. Je vais y aller. Je vais rejoindre les synthétiques. Il faut que je sache la vérité sur mes origines. Ils m'ont dit de prendre un bateau vers le nord, jusqu'à la ville de Far Harbor. Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là. Oh là là, vous avez terminé vos recherches ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Je crois savoir où Kazumi est allée. Un endroit appelé Far Harbor. Elle est allée si loin vers le nord ? Bon Dieu, je comprends pourquoi elle a pris le bateau. Il n'y a pas une minute à perdre. Partez à sa recherche. Attendez. Vous avez découvert pourquoi elle est partie, détective ? Et avec qui elle parlait ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Je connais ma fille. Et si elle ne nous a pas dit où elle allait, c'est qu'elle avait une bonne raison. Tu ne veux même pas savoir si elle veut qu'on la retrouve ou non. Tu as raison. Détective, vous avez trouvé quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi Kazumi est partie ? Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques. Elle pense qu'elle est l'une des leurs. Quoi ? Mais c'est dingue ! Ce n'est pas une synthétique. C'est notre fille. Nous l'avons élevée. Je lui ai donné naissance. Elle est de chair et de sang. Elle est humaine. Votre fille est sûrement un peu perdue, rien de plus. Elle traverse une crise d'identité. Bon sang. Elle pense que nous ne sommes pas ses parents, vous croyez ? C'est ce que je craignais. Que quelqu'un mette des idées dans la tête de ma fille. Vous devez aller à Far Harbor. Prenez mon bateau amarré au quai. Il a un système de guidage et il tient la distance. Un cadeau d'adieu de mon père. Je trouverai le fin mot de l'histoire, Kenji. Merci. Je sais que vous n'avez pas demandé de paiement et on n'a pas grand-chose, mais tenez. J'insiste, c'est pour vous. Disons que c'est pour couvrir vos dépenses. Merci, monsieur. Mais je suis déjà parti avec 20 000 capsules en poche. Hein, qu'est-ce que tu veux faire avec tes 300 capsules, là ? Bon, on va prendre un bateau, c'est bien pour ça que... Bah, attendez les gars, attends, on va faire ça bien, hein. J'ai gardé la casquette de capitaine, voilà. Gardez la casquette de capitaine, alors on y va. Au revoir petit chat. Je pars pour un long voyage. Ça. C'est parti. Au revoir. Kate ? Elle est où, Kate ? Kate ! Bon, on s'en fout, on n'aura pas Kate, hein. On s'en fout un peu, tu sais. Mais elle se téléporte le plus souvent. Voilà, c'est bon, on part vers Far Harbor. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit au début de vidéo, la ville de Far Harbor, bah c'est une ville. Voilà, tout simplement. Attendez, je vais éternuer, je suis désolé. Excusez-moi. Voilà. Welcome to Far Harbor. Voilà pour mon petit accent anglais. Voilà. Il est vraiment pas mal. On reprend la route. Kate, elle est revenue. Même pas. Kate n'est pas là. C'est pas grave. Voilà la ville. Oh, regardez ces lampes. Une minute. C'est pas à moi, ça. Mon Dieu, tu calmes, Alain. On a de la visite. Dans les continents, c'est toujours des emmerdes. Baisse ton arme, bon sang. Ah, c'est Kate, elle est là. Vous avez perdu votre chemin ? Vous êtes à Far Harbor.
On n'a pas beaucoup de visiteurs par ici. On a déjà assez de bouches à nourrir ici. Et on n'a pas besoin de l'aide du continent. Alors vous pouvez remonter dans votre bateau et repartir d'où vous venez. Allen, ce quai appartient à toute la ville, pas à toi. Les étrangers sont les bienvenus. Je suis désolée. Vous arrivez dans un moment difficile. Mais Allen n'a pas complètement tort. Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Une jeune femme du Commonwealth appelée Kazumi est peut-être passée ici. Sa famille m'a demandé de la retrouver. Vous êtes un genre de détective privé, c'est ça ? Oui, elle est passée. Chiotte, la marinière débarque. Il y a quelque chose qui sort du brouillard. Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions. Postez-vous en haut du mur, près de la porte principale. La coque ne nous a jamais lâchés. Maintenant, suivez-moi. Tous à la coque ! On va avoir de la visite ! T'as vraiment vu quelque chose ? Faut que je la suive. Attends, allez, ouais, ouais, allez, allez. Il y a le téléphone qui sonne chez moi. Et j'ai pas le temps. Quoi, ça ? Tout le monde ouvre l'œil ! La porte ! Ouvrez la porte ! J'ai besoin d'aide ! Marinière ? On n'a pas le temps. Regarde le brouillard. Ils arrivent ! Ils arrivent ! Bordel ! Défendez-vous ! Prêt ? Feu à volonté ! Hein ? Des goobers ! Qu'est-ce que... Ok. On a de la compagnie. Qu'est-ce que... Faites tous attention ! Putain, y'a le téléphone qui sonne chez moi, je peux pas. Ouf, c'est terminé. C'est fini. Non. Regardez le brouillard. Quelque chose nous fonce dessus. Là-bas. Oh là, c'est quoi? Des jeunes gobeurs maintenant. Bah pourquoi pas ce prénom? Debout. Debout. Je vois plus personne. On a réussi. Allez, Kate. Pour cette fois. Cette fois, c'est fini. Très bien. L'orage est passé. Ouvrez la porte. La coque a passé un sale quart d'heure. Mais sans vous... Merci de votre aide. On va aller ici. Vous voulez ma photo ? Vous avez des super mutants sur le continent ? Avril. On en a quelques-uns maintenant du côté d'Aldercy. Maintenant, vous voyez ce qu'on doit endurer. Le brouillard et les créatures qui se cachent dedans nous ont chassés de notre île. Mais vous nous avez donné un sacré coup de main. Alors prenez... Ok, Vous avez perdu toute l'île ? Le brouillard a toujours été là. Quand on a de la chance, le brouillard recule et l'île est presque normale. Et quand on n'a pas de chance, le brouillard s'étend partout. Les habitants doivent alors se rabattre sur les parcelles libres. Ça va faire... presque 8 ans qu'il se propage. La situation ne fait qu'empirer. Désormais, le seul endroit sûr, c'est Far Harbor. Vous arrivez à survivre malgré tout ça ? Vous êtes coriace. Ou complètement dingue. J'en ai marre de me planquer derrière cette saloperie de coque, Avril. Il est temps qu'on s'occupe sérieusement du problème. Avec mes armes et une bonne équipe, je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques des enfants d'atomes une bonne fois pour toutes. Le brouillard a toujours été là. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Avant que ces bouffeurs de radiation débarquent, on arrivait encore à contenir le brouillard. C'est quand ils sont arrivés que c'est parti en sucette. Il est temps qu'on passe à l'action. On a de la visite du continent. Ce n'est pas la peine d'embêter le monde avec ces histoires à dormir debout. Le brouillard a vraiment empiré à cause des enfants d'atomes ? Pas du tout. Il n'y a pas la moindre preuve. Les compteurs GGR mentent pas, Avril. Le brouillard est de plus en plus mortel chaque année. Et maintenant, il recouvre toute l'île. C'était pas comme ça avant que les enfants débarquent. C'était déjà arrivé avant, tu le sais très bien. Les gens racontent que les enfants y sont pour quelque chose, mais personne, et je dis bien personne, n'a de preuves. On peut revenir à nos affaires ? Excusez-nous pour toutes ces histoires. Vous êtes là pour Kazumi, c'est ça ? Elle a mis le cap sur Acadia, le refuge des synthétiques à l'intérieur des terres. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il vous faut un guide. Le vieux Longfellow. Il connaît le brouillard comme personne. Mais je vous préviens, c'est un emmerdeur.
Merci pour l'info. Oh, vous le trouverez sûrement au bar, le grand mât. Et je vous en prie, donnez-nous un coup de main si vous pouvez. Je sais qu'elle risque de refuser, mais Cassie et la marinière auraient bien besoin de votre aide. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'entendrez peut-être pas de sitôt ici. Merci. Provision à l'avant, oublie à l'arrière. Vous voilà au pêcheur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Attendez. Est-ce que c'est une grande île déjà? Oh, quand même, hein. Ça risque de faire pas mal d'exploration. Bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus, sur ces jolies bestioles. Elles sont moches. Attends. C'est dégueulasse. Tu te souviens que tu te cramponnais à ton doudou dans le sous-sol? Et donc, bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Et donc, salut à toutes et à tous, c'est Prescazifère. Et donc, vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 4. Et c'est pas le Fallout 4 de base, ça va être, on va s'attaquer à l'extension Far Harbor. Far Harbor, c'est une ville, ça porte le nom d'une ville, cette extension. Je me suis renseigné un peu avant. C'est une ville, et puis voilà quoi. C'est tout ce que je sais un peu. Et donc, on va tout de suite activer cette mission, hein. Je pourrais pas la faire tout d'un coup. C'est loin de la maison. Alors, oh, j'ai réglé un peu le son du jeu. Et j'ai mis la radio pas mal. Pas mal fort, donc j'espère que vous allez bien, assez bien l'entendre. Allez, on écoute, c'est parti. D'accord. Ok. Alors là, apparemment, il faut aller dans... dans l'agence de détective Valentine, on se téléportait au marc, voilà, pour une nouvelle affaire, voilà, elle va peut-être nous expliquer plus ça en détail, enfin je l'espère, je vais voir quand même si j'enregistre, ouais, c'est bon, c'est parfait, on aime quand ça fait ça et que ça bug pas. Ah merde, par contre, je veux pas être là. Quand même, les effets sonores dans le jeu sont assez flippants quand vous avez un bon casque. Ils sont assez flippants parce que tu les entends bien, tu vois. Moi, le plus souvent, je mets la radio de Diamond City sur mon Pit-Boy, tu vois. Tranquille. Et puis, ça me fait de la musique non-stop, quoi. Hein. Alors, voilà, je suis niveau 58 dans le jeu, c'est pas rien, quand même. C'est pareil, hein, niveau 58, hein. Pour être niveau 58, les gars, eh ben, faut geeker. Eh ben, faut geeker, hein. Je vais pas vous le cacher. Donc, c'est parti. On va tout de suite parler à Ellie. Je crois que c'est la coéquipière de Valentine. Voilà. C'est celle qui l'aide dans ses enquêtes, tout ça. Parce que Valentine, c'est un détective. Un détective, voilà. Bon, d'accord, déjà, on sait pas la suite de l'histoire, peut-être que c'est un enfant disparu, un mort, je sais pas moi, un truc comme ça. Mais là, elle nous a juste dit d'aller voir des pêcheurs. Ah, pourquoi pas? Des pêcheurs, bah ouais, c'est pas mal les pêcheurs, ouais, Attendez les gars. Ah merde, je dois me rendre à la porte de Diamond City, ah, je suis de ma gueule.
Oh putain, j'adore. Les habitants de Diamond City, maintenant que j'ai fini le jeu, tout ça, ils me donnent un peu tout. La dernière fois, ils m'ont donné des mantas. Là, ils m'ont donné 5 munitions de 5 mm. Je m'en fous, mais et c'est toujours sympathique de leur part, tu vois. Ils pensent à nous, au travail qu'on a fait, au jeu qu'on a fait, tu vois, parce que le travail... on fait pas beaucoup de travail, hein, je vais pas te le cacher. Hein. On joue surtout, hein. Enfin, c'est le principe d'un jeu. Voilà. Bon, cette affaire de pêcheur avec sa femme, d'accord. Et sûrement un enfant disparu. Ah, pourquoi pas? Bon, allez, c'est bon le chargement là. Eh, c'est énervant les chargements. Hein. Non, j'entre pas. Donc, alors, elle est où cette petite maison? Elle est par là. J'entends des tirs au loin. Je ne sais pas ce que c'est. C'est sûrement la confrérie de l'acier qui est en train de tout exterminer. Parce que, en fait, dans le jeu normal, hein, là je vous parle du jeu de base, vous pouvez choisir trois types de trucs. Le réseau du rail, les miliciens, l'institut ou soit la confrérie de l'acier. Moi personnellement j'ai pris la confrérie de l'acier parce que c'était les plus badass, tu vois. Voilà. Et puis en ce moment ils sont en train de tout péter dans le Commonwealth. C'est sûrement la maison là-bas, je sais pas ce que vous en dites. On va aller voir ça. Ah putain, mon casque, il est assez lourd, il me fait mal à la tête. J'aime pas trop. Bon, c'est loin. Oh là, elle est en dehors de la carte, la résidence de machin, là. En dehors, tu vois. Oh merde. Bah, j'espère que ça a pas bugué. Comment je vais faire pour monter ce mur? Voilà, par exemple, cet accent, quand vous retrouvez ça dans le Commonwealth, cet accent, c'est sûrement la confrérie de l'acier. Qui ont tué sûrement quelqu'un. Je m'en fous un peu. Je défends juste un peu leur poste. Donc, je vais prendre celle avec laquelle j'ai aussi fait le stock de balles avec. Ouais, mais je peux pas aller par là, mais... Mec, je veux bien, mais je suis obligé. Je suis obligé d'aller par là. Parce que ça marque, vous ne pouvez pas aller par là. Mais je pense que quand même, on peut y aller. Sinon, ça serait pas fait comme ça. Hein. Ça serait du foutage de gueule, quoi. Ah, belle maison. Belle, très belle maison, même. Hein. Regardez. Jolie. Ah, c'est sympa, ouais. On va ranger notre arme.
On demande de l'argent. Ah, ça serait bâtard. Non, non, je vais pas le faire. Ok, on a parlé à Kenji. Kenji. C'est pas un chanteur. Si, je crois que c'est le gitan. Oh. On va pas prendre toute la merde, hein. Une holobande. D'accord. Ça parle. Bah, là, il y a une autre bande. Rêve. On va écouter ça aussi. C'est lent. Ses parents, ils cassent des trucs pour les... Ils le font réparer à sa fille. L'esclavagisme, encore dans Fallout. Est-ce qu'on a bien tout vu? Je ne sais pas. Mais apparemment, ouais. Bon, d'accord. Alors, si vous entendez pas assez le son du jeu, je vous invite à mettre plus fort. Voilà, tout simplement. On va parler à sa femme. Oh putain, il se regarde méchamment. Wow. Eh, on se calme hein, dans un couple.
Ok, qu'est-ce qu'il faut faire là? Attends. Faut l'examiner. Voilà. Il faudrait aussi que j'aille voir dans l'entrepôt là-bas. Là, il y en a un autre. Projet de Kazumi. Peut-être qu'on va savoir la réponse. Intéressant. De la capsule, on prend tout le temps la capsule. On prend. À cette tête, tu as le bateau. Quelle part elle est là. Note du grand-père. Si jamais le grand-frère ferait appeler, la solution est ici dans le hangar à bateau. La réponse étant ici. C'est pas grave, on est des pros. Voilà. Ah, Hollowbound. Dernier Hollowbound. Ah, bah voilà. On l'a trouvé.
Oh là 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 là, elle est partie vers le nord. Merci monsieur. Mais je suis déjà parti avec 20 000 capsules en poche. Hein, qu'est-ce que tu veux me faire avec tes 300 capsules là? Bon, on va prendre un bateau. C'est bien pour ça que... Bah, attendez les gars, attends, on va faire ça bien. Hein. J'ai gardé la casquette de capitaine. Voilà. Gardez la casquette de capitaine. Alors on y va. Au revoir petit chat. Je pars pour un long voyage. C'est parti. Au revoir. Kate? Elle est où Kate? Kate? Bon, on s'en fout, on n'aura pas Kate. Hein, on s'en fout un peu, tu sais. Mais elle se téléporte le plus souvent. Voilà, c'est bon, on part vers Far Harbor. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit au début de vidéo, la ville de Far Harbor, bah c'est une ville. Voilà, tout simplement. Attendez, je vais éternuer, je suis désolé. Excusez-moi. Voilà. Welcome to Far Harbor. Voilà pour mon petit accent anglais. Voilà. Il est vraiment pas mal. On reprend la route. Kate, elle est revenue? Même pas. Kate n'est pas là, c'est pas grave. Voilà la ville. Oh, regardez ces lampes. Oh, c'est bizarre. Ah, si Kate, elle est là.
Faut que je la suive. Attends, allez, ouais, allez, allez. Il y a le téléphone qui sonne chez moi. Et j'ai pas le temps. Des gobeurs. Ok. Putain, y'a le téléphone qui sonne chez moi, je peux pas. T'es assez facile, hein. Là-bas. Oh là, c'est quoi? Des jeunes gobeurs maintenant. Bah pourquoi pas ce prénom? Allez, Kate! On va aller ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Attendez. Est-ce que c'est une grande île déjà? Oh, quand même, hein. Ça risque de faire pas mal d'exploration. Bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus, sur ces jolies bestioles. Ils sont moches. Attends. Ouais.
c'est dégueulasse. Et donc, bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et donc, c'était Brasca. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!